Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui, nous sommes dimanche 4 février. Nous émettons à Johannesburg. Nous sommes là pour une réaction sur un sujet très brûlant et qui concerne des sujets que nous avions abordés ici il y a, je crois, une semaine où nous fustigions la position du gouvernement de Kinshasa à propos de la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, la position de Kinshasa est un peu ambiguë. Félix Tshisekedi ne veut pas entendre du dialogue. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons réagir sur ce sujet-là. Et pour cela, je veux prendre le point de vue de deux messieurs. Un qui, je ne sais pas d'où cet audio vient, mais je crois comprendre que ce monsieur-là, c'est un Moulouba, un gars qui est de la tribu du président de la République et qui soutient à 100% le président de la République. À l'entendre parler, vous allez toye bani de toutes les façons. Moutoutan wazo, erngana zoloba a ozoye bakeno, djo oyaza mtoa kivu. Et puis Moutaza Nord Kivu. Azoloba pe lingala mokobo et un peu. Alors, monsieur Wana Petan Wazoloba, Okoyo Kaeke no Mutoyo, place Nini Yango Aouti. Et puis après Tokoyoka, position aussi à Magloire Paluku qui est du Nord Kivu, qui a donné aussi son point de vue sur le point de vue du dialogue. Donc, Tolandana Nuba Audio Mibale Oyo. Comme ça, après, moi, je vais donner mon point de vue sur la résolution que nous pensons qu'ici, à Contact Pro Live, solution à Bisso O, à Tokanisakanini, pour résoudre Makambo et à Congo. Alors, Toland. Bon, c'est un peu étonnant d'entendre notre frère Magloire Paluku parler du dialogue, parce que si vous allez à la guerre, vous n'avez pas de famille là-bas, il y aura des morts. S'ils prennent Goma, ils vont commencer à ravitailler et ils vont nous mettre dans une situation difficile. Le dialogue n'échoue jamais, nous devons aller au dialogue. Mais, mon frère Magloire, mais vous dites des choses, c'est comme si vous n'avez pas étudié, mon frère. On a eu le dialogue de Tande Kabila. Peux-tu nous expliquer d'où sont venus les 15 millions de morts à l'est du Congo? N'est-ce pas à cause de ce dialogue-là? Vous avez eu le dialogue. Le dialogue, on vous a infiltré jusque dans vos os. Le dialogue a fait que vous ayez une guerre sans fin où les gens meurent pendant plus de 30 ans. Vous avez eu toujours le dialogue, non? Avec Kabila, vous avez eu le dialogue. Pourquoi vous avez repris la guerre? Donc, pour vous, le dialogue nous donne la paix. Mais pour moi, je vous dis que le dialogue nous a donné la mort. Les 15 millions de Congolais qui sont morts, c'est à cause du dialogue. Il faut dire la vérité aux gens. Ces dialogues-là, on a mis les gens dans l'armée. Il y a eu l'infiltration. On a violé nos mamans. On a violé nos grands-parents. On a violé nos sœurs. On a violé nos bébés. Après le dialogue, non? On a tué les Mwami partout à l'est là-bas. Dans toutes ces tribus-là de l'est du Congo, on a tué des chefs coutumiers par des Rwandais Tutsi. Mais c'est avec le dialogue. C'est avec le dialogue qu'il y a eu toutes ces bêtises-là que vous me parlez, que non, allons-y au dialogue. Vous allez au dialogue, mais avec les CNDP, on a eu un dialogue. Et puis par après, on les a embauchés dans l'armée. Il y a le RCD Goma qui est sorti de là pour dire, nous voulons ceci. Il y a eu le dialogue avec le RCD Goma. En dehors de RCD Goma, il y a encore un groupe qui est sorti après ce dialogue-là. Ce que vous appelez M23. Il y a eu le dialogue avec M23. Ils sont encore entrés dans l'armée aussi, comme parce que les RCD Goma sont les Roubérois qui sont devenus les vice-présidents du pays. Vous les avez mis dans votre armée. Ils ont amené leurs frères rwandais dans votre armée. Ils vous ont infiltré en tout à cause du dialogue. Maintenant, c'est le M23 qui nous fait la guerre. On va maintenant aller négocier avec le M23. Et puis, les EFC
je ne sais pas si c'est l'alliance du fleuve Congo, va aussi venir demander aussi le dialogue. Finalement, vous aurez tous les Rwandais au Congo. Est-ce que vous n'avez pas de tête pour comprendre qu'on ne peut pas aller au dialogue? Nous allons au dialogue, il y a 15 millions de morts. Allons-y à la guerre et comparons combien de morts nous aurons. Je doute fort que si nous allons à la guerre, nous aurons 15 millions de morts que nous avons eu pendant 30 ans. Non. Changeons de stratégie, cherchons des partenaires intéressants qui peuvent nous donner des armes. Quand nous échouons la guerre là, c'est parce qu'il y a eu le dialogue. Leurs frères sont là en train de nous trahir quand nous avançons dans la guerre. Et puis, ils les relâchent, ils disent le secret et puis nous tombons. Bon, coupons les relations. L'armée congolaise doit chasser tous les étrangers d'origine rwandaise ou ougandaise. Tout celui qui n'est pas congolais dans cette histoire-là doit quitter dans l'armée congolaise. Et nous refusons le dialogue. Je ne crois pas qu'on va échouer cette guerre-là. Nous l'échouons parce que nous avons des généraux qui sont des Rwandais, qui sont encore là. Nous avons des colonels qui sont des Rwandais, qui sont encore là. Il faut les enlever, eux tous. Toute personne qui vient de l'Est du Congo, qui a un parenté au Rwanda ou en Ouganda, ne peut pas servir dans l'armée à l'Est du Congo. Ou il va à l'opposé de l'Est du Congo pour aller servir dans l'armée s'ils ont un parent congolais ou quoi que ce soit. Mais il faut faire ça. Vous verrez que nous n'allons pas échouer. Si nous allons au dialogue, cela veut dire qu'ils vont aller chier sur les têtes de nos parents et sur nos têtes en nous-mêmes. Il faut comprendre que nous échouons, c'est à cause du dialogue qu'il y a eu. On a eu plus de 45 ans de dialogue. Et nous avons échoué à cause de ce dialogue-là, nous avons été affaiblis. Pourquoi nous avons une difficulté aujourd'hui? C'est à cause de ce dialogue-là qu'on a une difficulté. Maintenant, quand vous allez encore reprendre le dialogue, c'est quelle paix que vous cherchez? Une paix pour vous partager votre terre avec les étrangers, c'est comme si un homme fort vient chez vous, il vous tape, il vous dit, pour que je vous laisse en paix, laisse-moi coucher avec ta femme, laisse-moi coucher avec ta mère. Toi, tu dis, bon, vous savez, il est fort, hein? Je ne peux rien faire. Allez, couche avec ma femme, couche avec ma mère. Qu'on vive, c'est pas dans la paix. Non, il faut accepter de mourir, point très. C'est ça être un homme. Vous pensez que le dialoguer, c'est être un homme. Quand vous dialoguez, vous êtes des lâches. Les États-Unis, on a tué 3 jeunes Américains en Iran. Ils ont bombardé, ils ont attaqué. Il n'y a même pas une semaine que cela est arrivé. Mais vous, on vous demande de dialoguer avec les étrangers et vous acceptez. Vous ne pensez pas que c'est une distraction? Donc, quand vous avez appris à l'école que dialogue veut dire chercher la paix, c'est comme ça que vous venez nous dire que non, il faut dialoguer pour qu'il y ait la paix. Or, toute fois que nous avons dialogué, il n'y a jamais eu la paix. C'est-à-dire que ce dialogue-là, c'est un poison qu'on vous donne. Alors, arrête de dire aux Congolais qu'il faut qu'on dialogue. On ne peut pas dialoguer avec celui qui a violé votre femme, qui a violé votre fille de 1 an ou de 2 mois ou votre bébé, qui a violé votre femme ou votre mère. On ne dialogue pas avec ça. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. Même si tu es faible, tu deviendras fort. Va t'entraîner. C'est pourquoi le Kofé, les Congolais, les pasteurs qui sont aux États-Unis, a dit même les enfants des enfants de nos enfants reprendront, nous ne perdrons jamais même 1 centimètre. Mieux vaut qu'on continue, qu'on nous prenne nos terres de force que de les donner dans les dialogues. Jusqu'à ce que vous allez revenir pour les répondre. Mais il ne faut pas accepter des stupidités parce que, vous savez, Goma va tomber. Mais c'est ça, c'est une logique normale hein, d'un homme intelligent, mais qui a un seul cerveau. Non, vous savez, Goma va tomber, nous devons négocier. Mais nous avons négocié combien de temps? Est-ce qu'il y a eu la paix au Congo dans toutes vos négociations que vous avez eues là? Kabila négociait avec eux, avec ses frères rwandais certainement. Et aujourd'hui, ces mêmes frères-là ne sont pas satisfaits, ils réclament toujours. Ils se prônent pour être minoritaires. Est-ce que vous croyez que c'est le Tutsi qui est minoritaire au Congo? N'est-ce pas, nous avons des tribus très minoritaires au Congo qui vivent, qui n'ont jamais même été, pas même ministres. Alors qu'est-ce que vous allez dire de ça? Donc vous devez nous faire vivre dans une imbécilité totale où nous devons seulement négocier parce que nous sommes faibles. Non! Comme nous sommes faibles, on ne négocie pas. Voilà ce que moi je peux vous dire. Si vous vous croyez dans un Congo ou dans un monde où les gens négocient, il faut comprendre que sur la terre là, tu ne négocies pas à propos de ce qui est à toi. Tu comprends? Tu ne négocies pas pour ce qui est à toi. Même si vous ne me croyez pas, ne permettez pas cela pour vos enfants. Dites à vos enfants, moi votre père j'aime négocier, mais dites à vos enfants, ne négociez jamais. Moi je suis vos enfants là, je ne négocierai jamais. Je peux être impulsif, le dialogue n'a jamais amené la paix au Congo, le dialogue a tué le Congo démocratique. Donc, le fait de négocier, c'est de montrer que vous êtes incapable, c'est être lâche. Mieux vaut mourir tête haute que de s'agenouiller, être esclave des esclaves. Il ne faut jamais pas accepter ça.
On ne peut jamais être esclave des esclaves. Il faut dire non et il faut se battre. Un jour ou l'autre, on va vaincre. Même s'ils nous prennent notre terre, nos enfants reprendront cette terre-là. Mais il ne faut pas venir faire croire aux gens que non, vous savez, il faut négocier parce que Goma va tomber demain. Si ça tombe, nous serons ridicules. On a toujours été ridicules. Ça fait 30 ans que le Congo est ridicule. Je dis bien 30 ans que nous sommes ridicules. Mais toi, tu veux nous donner quelle paix que tu vas nous donner? En cédant nos terres pour avoir la paix? Et vous croyez que ces Rwandais-là, cette fois-ci, si vous négociez avec eux qu'ils prenaient vos terres, vous croyez qu'ils vont vous les redonner? Mes Américains vont venir mettre leurs appareils et consorts, ils vont leur donner les armes de terreur, et c'est fini, vous ne reprendrez jamais vos terres avec une négociation diabolique que vous avez, et vous croyez que cela va nous aider. Ça, on ne négocie pas. Nous acceptons, mieux vaut mourir que d'aller négocier avec les ennemis du Congo qui vous ont tué. Vous, vous êtes de l'Est, moi je ne suis pas de l'Est. Comment vous n'avez pas les soucis de vos frères qui sont morts, ça fait 15 ans, 30 ans, ils sont plus de 10, 15, 16 millions qui sont morts. Vous n'avez pas les soucis pour eux, mais vous avez les soucis d'aller négocier pour vous distribuer le pouvoir. Voilà ce que nous ne voulons pas. Et aujourd'hui, à Kinshasa, les ministres qui sont élus députés, et tous veulent encore revenir, ils veulent encore rester pendant qu'ils sont députés. Or, la loi refuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la complaisance. La loi, il faut la respecter quand même. Nous ne sommes pas le seul pays au monde où il n'y a pas de loi. Donc, tu es voté député, et puis au moment de travailler, tu veux aller à la Cour constitutionnelle pour demander que non, et que la Cour constitutionnelle puisse vous donner un droit de continuer à être ministre. Mais c'est quel pays qu'on vit comme ça? Un pays qui aime toujours réfléchir dans les stupidités, où on ne comprend pas qu'à un moment donné, on ne réfléchit plus, on agit. Quand vous êtes député, vous arrêtez, vous partez. Si un gouvernement est fait qu'on vous vote encore, ou bien vous choisissez, vous pouvez revenir pour être ministre. Mais ce n'est pas un pays d'un groupe d'individus qui sont là-bas, qui est ministre, qui est député, et qui ne veut jamais laisser les postes ministériels, mais qui est député. Non, c'est faux. On ne peut pas accepter ça. À un moment donné, le peuple est fatigué, et on ne va plus prendre ces bêtises-là, et nous sommes fatigués pour tout cela. Une négociation avec le Rwanda, c'est vendre le Congo. Voilà ce que je peux te dire à la fin de ce que je dis comme explication. Négocier avec le Rwanda veut dire vendre le Congo au Rwanda. Il n'y a pas une négociation avec ce peuple-là, un peuple mauvais qui veut seulement prendre ce qui est du Congo et nous déstabiliser. Nous sommes ce que nous sommes là. On ne réussit pas la guerre aujourd'hui. C'est parce que nous avions négocié et nous avions fait des dialogues il y a plus de 15-20 ans. Tout le monde a négocié avec ces gens-là. Ça n'a toujours pas marché. Vous croyez que quand vous allez négocier aujourd'hui, on va vous faire une paix bizarre, stupide, de 5-6 jours, et puis on va commencer à nous ramener encore en arrière? Nous sommes proches de la fin. Je peux vous garantir qu'on va gagner, qu'on perde même Goma, qu'on perde même le Sud Kivu. Nous allons toujours gagner. Tout ce qu'ils prendront, nous allons reprendre cela. Même les enfants de nos enfants reprendront cela. C'est comme ça qu'un peuple intelligent réfléchit. Mais vos parents vous laissent vos terres, vous restez négocier avec les ennemis pour donner vos terres et dire que nous voulons la paix. Vous êtes des lâches. Il ne faut jamais accepter ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Vous négociez avec un groupe, le CNDP, il devient le RDC Goma. Vous négociez avec le RCD Goma, vous avez commencé avec les Mwanga Chuchu, ils sont devenus des députés, ils ont pris des terres dans Rubaya, ils sont devenus députés, CNDP est changé. Négociation, ils deviennent les RCD Goma. Vous leur donnez la vice-présidence avec les Roubérois, vous faites tout, et puis, eux, ils restent, ils continuent. Allez, ils deviennent les M23. Vous négociez avec les M23, vous prenez des militaires rwandais, vous les mettez dans votre armée, vous les continuez à négocier. Ça, c'est la troisième fois. Et puis, les M23 et deviennent et les AFC. Finalement, les FC, vous négocierez avec eux. Demain, ils deviendront encore les RRCR. Ça sont des bêtises qu'un peuple intelligent ne comprend pas venir nous dire un bon français. Vous savez, il faut négocier, il faut les dialogues pour qu'il y ait la paix, sinon Goma tombera. Même si Goma tombe, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des terres qui sont tombées et qui ont été reprises. Allez-y lire l'histoire. Les Français, ils avaient presque perdu leurs terres. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu presque leurs terres, mais ils ont repris avec le temps. Alors, il ne faut pas nous dire des histoires pour dire on doit négocier, aller vendre nos âmes aux démons parce que nous devons négocier avec un peuple qui a toujours tué mon peuple, plus de 12 millions de morts, ça ne vous dit rien. Au lieu de réfléchir pour enlever tout ce qui sont étrangers dans votre armée et recommencer à consolider et à travailler, peut-être ça peut vous prendre 10 ans, 15 ans, mais vous aurez une armée finalement, vous viendrez vous défendre.
Non, pour vous, comme vous voulez manger les beefsteaks, vous voulez vivre de la bonté, vous voulez la paix, alors allez, vendez votre terre pour que vous ayez la paix au nom du dialogue. Arrêtez cela, nous sommes fatigués, on n'acceptera pas. La jeunesse congolaise dit non. La jeunesse congolaise dit non et ça ne passera plus. Voilà ce que nous voulons. Qu'on aille à la guerre, qu'on nous tue, nous tous, qu'on vienne prendre toutes nos terres. Mais pas nous accepter de donner nos terres, on ne peut pas faire ça. Voilà ce que j'allais vous dire. Merci, au revoir. Voilà, Tolandi, position, il y a monsieur Oyo, na ebi place à Zalite. Mais j'espère que, bino batuboza, Bolandi, émission Oyo, j'espère que vous partagez en haut et que réponse, tout ça correspondre un peu à ma gloire sur les Camerounais, peu à Zako Loba Awa, ça sera notre point de vue de toutes les façons. Ma gloire peut, ou anéza peut point de vue naé. Tolanda peut ma gloire. Makambo a lobby sur qu'est-ce que lui pense, comment il faut dialoguer avec le M23 pour que tout stoppe guerre na côté à est de la République démocratique du Congo. On va suivre aussi ma gloire et c'est après ça que moi je vais vous donner mon point de vue à Contact Pro Live. Oyotobandi Kolobelango depuis, je crois, 2022 ou bien 2023. Tango Likamboyo. Il y a une insécurité à l'est, et puis tant que le M23 balamukaki, nous avions eu comme position na Kolobelango Awa, et puis je vais vous expliquer ce que nous pensons. Ce n'est que un point de vue, et ça, évangile, que nous avons condamné, bino que nous avons dit, mais ça peut inspirer, et parce que moi j'ai confiance que l'idée Oyo, ce qui t'a appliqué en haut, et qu'on a la coévité biso makambo ebele tolanda docteur nani journaliste nani comment il s'appelle encore Paluku. En reculant, nous pouvons dialoguer pour stopper l'avancée et voir comment déjouer les stratégies du M23 et de ceux qui sont derrière cette guerre. Si nous faisons rien que la guerre, nous vanter de gagner la guerre, on ne va pas gagner la guerre. Pendant qu'on a perdu Bounagana, Mushaki, non, soyons réalistes, laissons l'orgueil, il y a des gens qui souffrent. La guerre signifie des morts, signifie des blessés, signifie des déplacés de guerre, signifie la faim. La vérité congolaise, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il faut que la guerre s'arrête. Il faut que l'avancée du M23 stop. On avait déjà donné une solution à Kampala. Pendant que, au niveau stratégique, notre armée se réorganise, il faut empêcher que nous soyons ridicules aux yeux du monde. Si le M23 prenait Goma et que maintenant ils ont le temps de faire atterrir les avions à l'aéroport, entamer une guerre avec des armes lourdes, qu'est-ce que nous allons devenir? La voie pacifique doit toujours réussir. Elle ne rate jamais. C'est question d'être sincère sur la table des négociations. Toutes les guerres se terminent par des négociations. Rappelez-vous de la date du 20 novembre 2012. Joseph Kabila, dès le matin à 6h, il avait fait une interview pour accepter le dialogue quand la ville de Goma tombait. Il n'y a pas d'autre alternative. Ceux qui sont là pour dire allons-y à la guerre, battons-nous, ils n'ont pas des parents là-bas, où ils n'ont pas quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est le moment de penser aux déplacés de guerre, aux gens qui tombent, à nos militaires. Épargnons le drame. Voilà. Bozana ba point de vue à Batumi Balé. Mon quoi lobby que dialogue, il ne faut pas dialoguer du tout. Ma gloire palou kwa lobi, il faut que nous dialoguons token de kosolola na batuana pour to stopper guerre nandenge ezako sa le makuna. A pesipe ba conséquence na ngo. Voilà maintenant, je vais vous donner mon point de vue ici. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vous demanderai d'abord de vous abonner s'il vous plaît. Bon s'abonner na chaîne et puis bon partager pe. Parce que na lingi, nani point de vue oyo. En tout cas, Eko Melati pour la place à Zali. Je crois que je ne connais pas son nom, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas été, mais je crois comprendre que c'est quelqu'un, peut-être que même qu'il vit peut-être en Afrique du Sud, ou soit il vit à l'étranger, il n'est pas au Congo. En tout cas, je pressens qu'il ne maîtrise pas les contours et les babilo-kwananyos. Moi, je ne peux pas me dire que je vais dire la vérité, mais quand même, moi, je suis un témoin de l'histoire. Je connais l'AFDEL, comment elle est venue, Nazalaki,
j'étais et nazaki nazako sala na journal moko ya est à République démocratique du Congo en 94, donc je connais quand même l'histoire et AFDL. Na je comprends comment ba négociation ezalaki, je sais ça, je ne peux pas vous le cacher, ba négociation linga ezalaki. Mais alors tomé tout ça nanu biloko na pembeni. Qu'est-ce que nous voulons parler ici? Nous parlons de la négociation. Depuis 2022, je parlais, j'ai crié qu'il faut absolument que nous pensions à une sorte d'une négociation entre Congolais, de pourparler sincère des Congolais. C'était au moment où Félix Tshisekedi a zako recevoir ba groupes armés na Nairobi, je crois, c'est à ce moment-là. Ba to balanda kangai, si vous vous rappelez de ce moment-là, je fais une vidéo en s'appelant à Tshisekedi de ne pas perdre le temps d'aller faire des négociations avec les groupes armés. Et qu'on peut s'éloigner de mon côté. Et je crois que j'avais raison à ce moment-là. Nazala ki nanga pe na raison. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a couché d'une souris, effectivement. Et là, comment quoi ça l'a maté? Moi, je me suis dit, négociation à solo ezali ndenge nini. Ezali li solo au Congolais nyoso, a koki kozala impliqué. Pour que nous tous, nous soyons impliqués dans ce que nous avons appelé le plan de paix et l'atterrissement sur un nouveau Congo. Il faut que les Congolais puissent négocier un nouveau Congo, Congo ya sika. Il ne faut pas que ça soit l'apanage d'un groupe d'individus ou bien d'un homme qui va se targuer en se disant « c'est moi qui va vous donner la démocratie » ou « c'est moi qui va vous... » Non, appliquons ce que Etienne Tshisekedi a dit, il faut que le peuple congolais se prenne en charge. Moi, je fustigeais les négociations qui devraient être faites par Félix Tshisekedi avec les M23. Ça ne peut pas marcher. Et c'est comme cela que moi je suis contre ces négociations-là, entre Félix Tshisekedi et le M23. Non, président de la République, tu ne peux pas aller négocier avec eux. Le mal maintenant qui se trouve, ça se trouve où? Le mal, ça se trouve au niveau de ceux qui sont tout autour de Tshisekedi, en lui faisant croire que non, négociation na batouana ezali malamouté. Non, c'est la manière de faire ces négociations-là, que vous ne voulez pas évoluer dans vos têtes. Il faut tous à la mayele. Balancement comme tout au mouerev, il faut que nous soyons aussi malins. Toko sololana batouana ndenge nini. Il ne faut pas que ça soit dans la forme dont eux veulent à ce que nous puissions en parler. Non. Nous devons mettre en place notre stratégie de négociation avec tout le monde. C'est comme ça que nous ici nous sommes dit. Il ne faut pas que d'orée d'avant, Makambo, groupe armé, qu'on négocie na pouvoir na Kinshasa, c'est là où se passent toutes les corruptions et tout ça. Batuo babenga maka na San City, ils ont été corrompus, ils ont trouvé des choses dont les Congolais ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants. Nous ici nous proposons quoi? Nous proposons ceci. Nous proposons une négociation réelle entre Congolais. Et ces négociations-là devra se passer sur toute l'étendue de la République en réorganisant le pays dans les 145 territoires pour que les 145 territoires, dans les 145 territoires, le peuple se parle. Et ces négociations-là devraient aboutir à un nouveau Congo que nous appelons la 4e République. Où le Congo va négocier entre lui pour avoir une certaine cohésion, une certaine cohabitation, une certaine entendement batuba yo kanana niveau ya base. Et c'est par là que nous nous sommes dit na action ana ekotinda biso to sala rétrocession au niveau de la base, ya pouvoir au niveau de la base, parce que ça sera la base qui commencera à décider sur la sécurité, sur le développement de leurs entités et tout. Mais nous serons tous inclus dans un même pays. Mais c'est là que je dis qu'il faut que batuna batuba kende na bituka na bango ba kende ko solola likambo ya gérance ya mboka oyo. Et ça se fera comment? Nous avions appelé ça les états des lieux de chaque territoire. Chaque territoire devrait se mettre batuba vendi un ensemble de 300 personnes dans chaque territoire.
bazana musala nini bazana musala ya ko revoir constitution na ndenge ko SSEP sa bango pe pouvoir. Comment nous allons négocier? Nous allons négocier avec tout le monde. Ainsi donc, bato baza ko prétendre que non baza ba congolais ou baza na côté à Masisi. Nous avons des territoires, les gens se connaissent là-bas. Ils devraient aller porter leurs revendications, ba coucher en haut na ba papier, ba coucher en haut na ba tout comme ça. Quand ils arrivent là-bas, ils se disent toujours que non, ça mouille comme si tu n'as quoi ba toto enu. Vous nous connaissez ici, nous sommes bons enfants. Mais qui connaît Willy Ngoma de l'autre côté? Nani ndea koyoka Willy Ngoma soke azamu tu yaba Congo. Il faut akende ko negocier. A kende ko sala. Makambwana na nakati anani ya bituka o ya territoire na ya ba Congo. Et ceux qui ont pris les armes, je ne dis pas que nous allons chasser les uns dans les autres territoires. Non. Mais chaque territoire, c'est par là où est le grand problème. Ainsi donc, vous voyez là où je vais arriver. Donc, négociation, ça ne doit pas être une négociation entre Tshisekedi et les groupes armés. Non. Bato bazana Aru, ils doivent négocier. Pourquoi l'insécurité est ici à Aru? Pourquoi na territoire à Mambasa, qu'est-ce qui se passe? Bato nyoso à Mambasa bako vanda bako loba bon OK awa biso to salibo. C'est ainsi que nous sommes dit. Les territoires où il y a des groupes armés devraient venir sur la table de négociation au niveau de ces territoires-là. Maintenant, les résolutions qui viendront de tous ces 145 territoires devront aller au niveau des provinces. Donc, 300 personnes on a na kati ya ba province, ya ba territoire, ba se choisir une élite na kati na bango ou ba ko kende ko représenter bango na kati ya province. C'est ainsi na kati ya province ba ko harmoniser ba texte na bango. Chaque territoire viendra avec des élites, des intellectuels qu'ils vont avoir. Et vous allez voir avec cette méthode-là, nous allons avoir un changement de politiciens, un changement des gens. Nous allons donner le pouvoir à des gens qui sont capables. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas problème de tricherie. Les gens vont s'entendre. Awa Toyokani, awa na territoire, na biso, tomoni ba intellectuel, na biso za fulani, bo kende ko représenter biso na kati ya province. Ba ko kende na texte na bango, o ba ko kende ko défendre. Et ce texte-là, ça sera la constitution, l'ébauche de la vraie constitution qui fera adhérer à tout le monde dans un même entendement. Bah, toi, n'a pas qu'on peut défendre, bah, idée n'a pas qu'on outil dans le territoire. Au niveau des provinces aussi, ils vont harmoniser les textes et ce texte-là sera porté ce que nous appellerons une nouvelle Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous pensons que Otoyi Kozala. Mais entre-temps, quelle sera la mission de tous ces états déliés et Kozala qu'on rédige et bouche dans la constitution, ainsi aussi l'Ikamboya identification na kati ya ba territoire. Pendant que les gens sont en train d'évoluer na kati ya ba province et na l'Assemblée nationale, nous pourrons avoir à ce moment-là déjà le travail de l'identification de la population prise en charge par ces assemblées nationales, ces assemblées territoriales plutôt, ces assemblées que nous appelons ici les états de lieu de chaque territoire. Ils devraient être en charge, il y a qu'à identifier Batou. Kotia Batou, on a un fichier Moko, et puis on va maintenant réélire tous ces fichiers-là que nous aurons un fichier global de la République démocratique du Congo. C'est par là maintenant qu'on pourra être capable d'imprimer les cartes d'identité. Et chaque carte d'identité devra être retirée au niveau des territoires. Batou oyo batou bazana kati ya ba territoire, par exemple les gens qui se sont déplacés na kati ya ba territoire, on devra savoir bo outi wapi. Vous n'avez pas la mesure d'être par exemple batou ba kasayen ou par exemple bazana mbandaka. Mais les Kasaïens devraient se mettre ensemble en se disant nous venons du Kasaï mais nous habitons à Mbandaka. Mais pour qu'ils soient agréés, il faut que les Kasaïens du Kasaï les agréent. Donc il y a un procédure que nous devrons suivre. Continuez à vous abonner et mettez des likes si vous aimez ce que je suis en train de vous dire ici. Voilà un peu comment je voulais réagir sur ces deux audios qui m'a vraiment essayé un peu de me,
de me troubler. Et puis, je me suis dit, il faudrait que je puisse donner effectivement le point de vue de Contact Pro Life pour que Batuebele Bazako Tunangai, oh non, si quoi, lobi, nininga, lobi. Voilà un peu. Je vous avais dit que j'explique ça tous les jours dans ce que nous appelons réaction. Et réflexion plutôt. Nakati a réflexion, tu réfléchis ça. Et cette idée ici, tu as ko sosolango malembe malembe. Yangwana na ko senga na yo, o zola ndanga lelo, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis dès que vous êtes abonné, commencez à partager pour que l'idée soit normale et que Batuba va se retrouver. Nous pensons qu'à ce moment-là, nous aurons une base de données véridique traitée par les Congolais et puis nous aurons une constitution qui passera au référendum après avoir eu un dossier de l'état civil. Pourquoi? Parce que Elokoana ne mutweza ko bebisa biso. Elokoana ne mutweza ko bundisa biso na Est la République démocratique du Congo. Nous ne connaissons pas la gérance de notre pays. On ne peut pas gérer notre population. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.